Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey, chers amis. Donc, y a-t-il des ennemis dans les chiottes? C'est pourtant la meilleure des planques. Dommage. Safety first. Ok. Ok, bon bah tant pis. Bon, on y va alors, hein. On va quand même garder le pouvoir, vous savez, le contrôle des machines au cas où pour nous sauver la mise de temps en temps. Et au passage, on va en profiter quand même pour balancer tout le déchet. Voilà. Recycle-moi tout ça. Merci. J'ai entendu un drôle de bruit derrière moi, mais non. C'est dans ta tête, Marcus, c'est dans ta tête. Dis-toi que c'est forcément dans ta tête. Par contre, il faut que j'arrive à baisser ça, je pense, non? Oula, c'est pas ce que je veux, merci le jeu. On va essayer de chercher un moyen. C'est un peu plus complexe que prévu pour faire descendre ce truc. Wow. Ok. Comment je suis censé le faire descendre? Il y a un peu plus haut encore. Ah bah c'est là qu'il faut que j'aille alors. Tout bêtement. Ok, bon bah on y va alors. Hop hop hop. On est bon. Bon, on a trouvé le chemin. On progresse, bien que doucement. Ah bah. Surtout si j'ouvre pas toutes les portes. C'est pas ça que je voulais prendre, mais c'est pas grave. Alors attendez, j'ai trouvé des neuromodes. On va utiliser tout ça. On a 5 neuromodes. C'était quoi ça déjà? Ah, il y a les puces. Ça, c'est la santé supplémentaire. Il en faut 6, c'est ça, pour avoir l'armement. On va attendre un petit peu. Il vaut mieux attendre, il vaut mieux attendre. Du bourbon, pourquoi pas. Je suis obligé de pirater. Oh, putain. Hop, W. Comme what the fuck. Et X comme les films. Mouah. Utilitaire, télécharger la carte de la zone, je veux bien, oui. Je sais pas si ça va être méga utile, mais je veux bien. Merci. Et ouais, d'accord, en dehors, pas grand chose. De plus, ah si, tiens, un modificateur d'armes, dont je n'ai pratiquement plus besoin. Et donc, un endroit qui ne me sert plus ou moins à. Pardon, à rien. Ah bah si, à part là, je suis con, ouais. Je suis con. Il y a tout ça. Piraté par Kaspar. Donc voilà, on a un objet qui est piraté. Est-ce que je peux l'endommager? Apparemment non. Puisque j'imagine qu'il fait pop en fait les différents ennemis au fur et à mesure du temps. C'est comme ça que je vois les choses. Donc on va passer par là. On peut pas monter un poil plus haut. J'imagine qu'il faut que je passe par là-bas. Oh là 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 là. Ok, je me suis sauvé la peau. Non, je sais ce que je vais faire, je vais aller la désactiver. Coucou. Voilà. Ça c'était la chose à faire. Merci. Rien dans la mallette. Dommage. Par contre j'ai vu qu'on avait une pièce ici.
Avec un... planification des pilotes. D'accord. On va le pirater. Ça va être sympa. Un piratage ligne droite, intéressant. C'est extrêmement compliqué, hein. Vas-y, Francky, c'est bon. Hein. Hop, c'est parti, comme c'est parti. Et X comme les films, encore une fois. Bon, on a 10 secondes d'avance sur le temps total, pour la blague. Qui dit cadavre? Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, alors, place, j'en aurais profité à fond. Hein. Ouh. 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 Attention. 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 Oh. Eh, utilise tes mains un petit peu, merde. Oh, mais non, mais. Pas t'apprendre à utiliser tes mains. Vu que t'es sur une station spatiale, c'est la première chose que t'as dû apprendre en arrivant, quoi. Coucou. Ok. Mais ça sert à rien, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, c'est pour passer, pour entrer dans la pièce sans avoir à pirater, d'accord. Ok, ça je viens de le comprendre. Par contre, ça me dit toujours pas comment je fais pour aller plus haut. Pour aller plus haut. Aller plus haut. Toi, tu deviens de mon côté, s'il te plaît, maintenant. Merci. Bah, pour aller plus haut, je crois que je vais devoir pirater des choses. Et surtout, j'aurais pu devenir un de ces trucs-là, j'imagine. Mais je crois que je vais devoir utiliser le canon glu. Cet objet n'est pas craqué. Wouh! Il y en a un qui veut m'agresser. Tu veux bien agresser ton pote, s'il te plaît, plutôt que moi? Merci. Il m'a recte ma combi. Par contre, je suis coincé. Il m'a recte ma combi. Je sais pas si vous avez remarqué. Il a dit adieu à ma combi quand même. Hein. Hop, merci pour le café. Et mon pote, il était où là pendant ce temps-là? Il tournait la manivelle? Putain, si j'avais su qu'il tournerait... Mais je suis con. Mais je suis complètement con. Mais je suis complètement con. Alors déjà, il y a des chiottes ici. Ah, vous allez pas me remettre un énième poltergeist dans les chiottes quand même. Parce que putain, s'il y en a dans chacune des chiottes du jeu... Ah si. Non? Non, pas d'énième poltergeist. Cool. Voilà. Voilà, c'était là. Et en fait... Il y avait un ascenseur juste ici, Marcus. Ça fait 10 minutes. Attention, combinaison endommagée.
Wow. Ok. Faut absolument que j'arrive à péter cette saloperie. Et je ne peux pas. Pour... Quoi ? Déjà ? Demande de nouvel opérateur. Opérateur Black Box NCO. Veuillez vous éloigner de l'ouverture. Attention, combinaison en route. Voilà. Voilà, pour l'instant je dois être plus ou moins safe. Ok, donc le machin fait pop des opérateurs à longueur de temps, ce qui fait qu'il faut que je passe. D'accord. Énormément de... Mais non, au contraire, très peu de temps dans cette zone. Parce que cette zone est littéralement un moyen de gaspiller toutes mes ressources. Durement gagné. Ouais, ouais, d'accord. Okay. Ça passe, et c'est bon. Ah bah dis donc, ça aurait été compliqué. Hein. Et tout ça pour rien du tout. Ok, cool, pourquoi pas. Surtout que c'est pas la bonne direction. Attendez, y'a peut-être le... Il est déjà 19h12. C'est rigolo, pour la blague. J'en veux pas. Bonbon Big Bang, bah bien sûr. Bon bah on va le pirater, tant pis hein. Hop, allez. On va pas s'emmerder. On pirate. On a une demi-heure d'ailleurs pour le pirater. Et apparemment ce sera pas suffisant. F, c'est bon. Bon. Je suis le seul à avoir entendu un bruit bizarre ou... Wouhou ! On a ce qu'il faut pour prendre, on avait dit qu'on prendrait quoi ? L'armement. On a largement ce qu'il faut même. Ok, ça c'est cool. Pour deux, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Pour ah oui, ça pourrait être intéressant. Ça c'est intéressant, ça pourrait toujours nous aider en termes de régène. Alors attention, il va y avoir du monde juste devant. Vérifier les systèmes de vol. Système stable. Intéressant.
Déplaçons la navette. Ah non, c'est pas la navette qu'on déplace, c'est carrément le... Ok. Ok, pourquoi pas. Why not? Plein de mails, c'est violent. Surtout que ce qui est débile, c'est qu'en plus de là, tu peux l'atteindre. Hop, bonjour. Ouvrir. Oh! Oh! Tout confort. L'homme en noir, entrée dans la navette de commandant Dahl. Chercher des indices. 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 Oh! Ah bah oui, il a tout écrit dans un mail! Kamazots, décollage et mise en orbite. D'accord. Kamazots! Da da da! Transférez le dossier! Voilà, j'ai trouvé. Commandant Dahl, ici William Yu, président suppléant du conseil d'administration de Transstar. Pardon? J'ai besoin de vos identifiants pour autoriser cette mission. Bien sûr. Mes identifiants sont Zeta, Invictus, Empereur, Mandarine. Ça correspond. Bonjour, directeur Yu. La navette est en orbite et prête à l'emploi. J'attends les paramètres de la mission. Vous devez sécuriser toute technologie et recherche de niveau d'habilitation Cobalt sur Talos One. Ensuite, éliminer tout le personnel de Transstar. Tout le personnel. Aucun survivant. C'est vous qui décidez. Et ce sont eux qui meurent. L'argent sera verré sur 6 comptes différents au Benelux. Dès que vous aurez fourni une preuve du succès de l'opération. Je laisse tourner la diffusion de mon opérateur. Profitez du spectacle. Nous vous recommandons de déployer préalablement votre technicien dans le pare-feu d'un routeur de la... dans les laboratoires techniques. Oui, j'ai vu les plans, monsieur Yu. Au revoir. Veuillez supprimer cette transmission. T'as du bol. Et il y a la chute. Putain ouais, c'est passé. Voilà, les gros dégâts de chute. Voilà, et là il est HS. Crac, parfait. Ok, bon. N'empêche que ça répond pas à la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Désactiver le technicien Dahl qui se cache dans les laboratoires. Quoi? Faut que j'aille au grand hall, puis dans le laboratoire. Le grand hall, ça doit être par là. Le grand hall, et direction les laboratoires. Ouah, c'est quand même un gros jeu FedEx, hein, je veux pas dire. Il y a quand même... Alors c'est très très bien d'avoir une grande zone. Le problème, c'est qu'on a toujours l'impression de revenir aux mêmes endroits. Sauf là, la zone là était assez inédite finalement. Mais je veux dire, ça manque un peu quand même. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transstar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de fret vont mourir asphyxiés dans quelques minutes. Vous pouvez peut-être les sauver. Mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir des murs. Système de support de vie. L'heure tourne. Il y a la coupe d'oxygène dans la zone de fret. Il n'y a rien que je puisse faire d'ici. Et aucune des ponts ne fonctionne. Le système de l'atmosphère se trouve dans le système de vue. Bon, si vous pouvez nous aider, faites-le vite. Cette conversation sera... T'inquiète, même si son hypothèse est erronée. Ok, je peux pas entièrement le bloquer. L'ultimatum, en plus j'ai 15 minutes. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que je me rende. Ok. Alors, attendez, carte.
Objectif, dans les laboratoires techniques. Pour aller dans les laboratoires techniques, faut que je passe au niveau 2, non. Au niveau 3, oui. Et je peux y aller par le centre de téléconférence. Je vois que mes opérateurs sont planqués dans les frais de RH dans les registres de Transtar. C'est vrai que je résous les problèmes des gens. Vos collègues cachés dans la zone de fret vont mourir asphyxiés dans quelques minutes. Vous pouvez peut-être les sauver, mais pour ça, le rat que vous êtes va devoir sortir des murs. Système de support de vie. L'heure tourne. On est bon. On est bon. On est même très bon. On est bon. J'espère que je passe pas par la zone de fret. Alors, les ennemis anglais sont plus sensibles à attaque physique. Ah, oh, encore faut-il les anglais, hein. Encore faut-il y arriver. Au passage, vu que cette arme est juste absolument épique, faut dire ce qui est, hein, celle-là. Est-ce que je peux encore, genre, l'améliorer un poil ou... Ok. Voilà, donc là elle est améliorée un peu beaucoup même. Je l'améliore à fond, ça vaudra peut-être le coup. Faut espérer. Arrêtez de vous mettre du côté adverse, ça m'intéresse pas. Frappe l'ennemi. Pas Bibi. Merde. C'est chiant. Ils font tellement mal. Ils font tellement mal. Pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Attendez. À gauche, puis à droite, dans le labo balistique. Il est pas tout seul. Le jeune homme n'est pas tout seul. Alors attends, on va faire un truc. Voilà. J'ai encore endommagé bêtement ma combi. Ok. Ok. Dac. L'image de Dahl est entièrement constituée d'opérateurs customisés. Mm-hmm. Il fait l'erreur de placer ses espoirs dans une machine. Mm-hmm. Les êtres de chair et de sang sont chaotiques, Morgan. C'est tout ce qui compte au final. Bon travail. Le transfert a repris. Retrouve-moi à l'arboretum. Une tâche importante nous attend. Ok, l'arboretum, tu dis? C'est quoi le chemin le plus rapide pour aller à l'arboretum d'ici? Grand hall et arboretum. On retourne au grand hall. Tiens, get rect. Ok. Hop, on y retourne. On y retourne. Wouh! Bah c'est tendu du slip quand même hein, avec ces opérateurs militaires. Ils sont vraiment, vraiment efficaces vis-à-vis de mon armure, en fait. Presque trop, finalement. Parce que c'est vraiment, c'est une seconde, ça correspond à 25% à peu près des de mes points, quoi. Soit, bah, un...
Alors maintenant que j'en suis là, comment je vais à l'arboretum, précisément de cette zone? Votre bureau, bureau de la direction, niveau 4, arboretum. Niveau 4. Faut que j'aille donc un niveau encore plus haut. Mais je sais plus comment j'y vais. Ah oui, non, mais ce niveau plus haut, en fait, il est stupide parce que, de toute façon, on ne peut pas l'atteindre. Ou alors, attendez. Oh non, ce niveau il est inatteignable à l'heure actuelle. Bah l'ascenseur principal fonctionne. Bon bah... Non ? Arboretum. Bah j'ai vu des choses passer. Je veux y aller. Pourquoi je... Bah voilà. C'est à Arboretum, grand hall. Voilà, viens chercher. Voilà. C'est Dal. Il est dans l'arboretum. Fais vite. Bah je fais ce que je peux, hein. Je vais au plus vite. D'ailleurs je vais presque un poil trop vite selon mon voix. Non, non honnêtement ça va trop vite là. Oh putain. J'ai allumé ma pétoche, hein, ça se voit hein. Ok, je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait, il était pas là. C'était dans ma tête, ça s'est passé dans ma tête ça. Ok, on continue. Arboretum. Apparemment, notre ennemi Dal veut supprimer notre frère, qui s'avère ne pas être si maléfique qu'on le croit. Du coup, je pense qu'il faut mieux tenter de le sauver. Allez, c'est bon. Putain, ça me parle, cet endroit. Ah oui, c'est bon. Salut. Nouvelle aptitude. Putain, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Autant pour moi. J'avais pas vu. Maintenant il s'occupe plus que de moi. C'est un poil trop rapide pour le... Allez, réparer, c'est bon. Merde, y'a un temps. Même pas vu qu'il y avait un temps. C'est par où? C'est par là. Putain! Je suis mauvais! Oh la vache! Oui, j'ai pas pensé que celui-là était revenu.
endommagé. Eh oui, je sais bien, mais faut que je cours. Et hop! Attention! Alors, je tiens à préciser, mon canon glu est optimisé au maximum. Mais je n'ai pas réussi à le tuer, ni à le coller. Donc, shotgun, chers amis. Shotgun. Donc, aussi, hop, voilà. Et donc, aussi, ah, voilà. On y va, c'est parti, mon kiki. Bienvenue, puis-je vous aider? Oh, ouais, alors, on en reparlera, hein, mais... Aïe. Oui, occupez-vous du truc, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On a donc dit shotgun. On a dit sauvegarde. Et on a dit... On a dit... Get rect. Voilà. Moi je cesse de m'impressionner aussi. Je n'ai de cesse de m'impressionner moi-même. Je suis littéralement le meilleur. Ah vas-y, sors. Ok. Alex, mais tu sors d'où en fait? Ok. Oh, excuse-toi. Excuse-toi. Oui, du bunker, d'accord, ok. Je t'ai mis dans un bunker, j'avais oublié. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Ensuite, tu pourras désintégrer Talos One si tu penses que c'est la meilleure chose à faire. D'accord. Tu ne le feras pas. Je le sais. Je le sais parce que je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec le feu sans faire brûler la maison. Mais tu m'as convaincu. Mm-hmm. Tu m'as montré que tout était possible, même si le prix à payer était lourd. Cette partie de toi est encore là. Mm-hmm. Nous pouvons entrer dans l'histoire. Pas ces sangsues du conseil d'administration de Transtar, pas nos parents. Toi et moi. Mm-hmm. Exactement comme prévu. Nous avons les données qui confirment ce que tu soupçonnais. Le corail est en train de diffuser un signal neural. Un message secret envoyé vers les étoiles. D'accord. Ce que je veux savoir, c'est quel est ce message. Et qui peut bien l'écouter. Je crois que tu le sais. Tu le sais depuis les tests sur les neuromodes de Typhoon. Tu le savais. Tu vois, ce plan de fabrication est celui du prototype d'émetteur d'onde zéro. Il piratera le signal du corail et enverra un puissant choc à tous les organismes Typhoon d'un coup. Dont moi. Prends-le. Et la clé d'armement, comme je... Quoi ? Morgan ! Ouh ! Ouh, ça pue ! Non, frérot ! Oh ! J'ai pénétré mon frère ! Oh putain ! Stase. Il attend. Ok, bon, tout a changé d'un seul coup. Voilà, fabriquer le petit bombe. Ça, je sais où. Waouh, 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 waouh.
Allez, Marcus! Oh putain! Ok, ça disparaît, ça apparaît un peu n'importe comment. Filament, 11-0. Ok. Et pour faire ça, je vais où? What? C'est le bordel. On va essayer de rejoindre le TEG. Je sais pas du tout quoi faire. Puisque le truc là est déjà cassé. C'est un peu le bordel. Surtout je me demande s'il y a encore du courant dans toute la station quoi finalement. C'est surtout ça aussi hein. J'ai pas réussi à tuer mon pote ? Enfin à sauver mon meilleur ami ? Attendez. Mon frère, pardon. Enfin, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Mon meilleur ami et mon frère, c'est plus ou moins la même chose. Personnellement, hein. Pas dans le jeu, hein, mais... Il fallait que je le sauve. Comment je pouvais le sauver? Ça m'intéresse, moi. Alex! Attends, j'essaie de le retrouver. Voilà. Voilà. Mais non, reste dedans. Alex, reste dedans. Voilà. Reste là. T'as de quoi bouffer. T'as de quoi te défendre. Je regarde si t'as tout. Hein. T'as de quoi te soigner. Mon transcribe, je le récupère si ça te dérange pas. Ok, on y va. Il est sauf. Il est complètement sauf. Ok. Donc maintenant la suite. Ok, cool. Ok, qu'est-ce que tu peux m'aider? Merci pour ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider? Tu aurais pu me laisser mourir. Il est plus important que jamais qu'on termine tout ça comme il se doit. Je t'écoute. Occupe-toi de l'émetteur d'onde zéro. J'irai sur la passerelle dès que j'aurai repris mes esprits. Eh bah écoute, je vais chercher un truc pour le construire. Hein. What the fuck? C'est pas par là que j'ai envie d'aller! Sauf si... Non, ça se prend pas de dégâts. Ça ne se prend pas de dégâts. Faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux construire ce truc. Le seul endroit auquel je pense,
vache, il me recte. J'ai plus du tout de quoi me soigner. Sois bien d'accord. Je suis dans une, ce qu'on appelle communément une merde noire. Il est beaucoup plus agressif qu'avant. Allez, on confirme, on y va. Ce qui me sauve la peau quelques secondes au passage. Hein. Mais je sais pas du tout où je dois aller. C'est là. Chatastrophe. Eh ben écoutez, chers amis, on va cesser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus à la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo!